juste dans les tribunaux des goyim. Alors que nous tous, Bezrat Hashem, on a eu le zkout de voir la Géoula Mitzvah avec le Rabbi Menachem Mashiach, de vivre cette Géoula qui nous revient de droit, ne serait-ce que par le Rabbi Rayetz, il a tellement souffert pour nous. Et ne serait-ce que parce que chaque jour, il y a un juif qui souffre dans le monde, et que peut-être même dans le monde animal, il y a de la souffrance, et parce qu'on n'est pas complètement heureux, et parce qu'on n'est pas assez riche, et parce qu'on n'a pas assez de bonheur. Alors on souhaite chacun, à chacun d'entre nous, dans ce jour, avant que vous partiez, de prendre les brachot, de se remplir de brachot. L'essentiel de ce jour est là avec nous, le Rabbi Rayetz, il est là avec nous, si on le veut bien. Et il est là, il nous bénit chacun d'entre nous. Il nous bénit pour qu'on ait de la richesse Kepshoto, qu'on ait de la richesse spirituelle, qu'on ait tous ceux qui ne sont pas mariés se marient, et qu'on ait des enfants et ceux qui sont mariés soient heureux totalement. Et que Bezrat Hashem, vraiment, on est enfin les Géoula Mitzvah Shema, très bien. Ce sont des choses, on a fait Yudalef Nissan, on a loué des tankim dans Paris, on a fait un shtorom, une révolution avec les affiches du Rabbi, une pour les non-juifs, et un deal avec le message de faire des actions de bonté, de charité, et cette loi de Noé pour l'humanité. On a fait une affiche pour allumer des lumières, une affiche pour l'anniversaire du Rabbi, c'était dit Yudalef Nissan. Le roi Mashiach a annoncé la délivrance, peuple humble. N'ayez pas peur, la prophétie du Rabbi. Et on a défilé avec 5 tanks et une voiture Mercedes, toute décorée avec le drapeau français de Mashiach. Quelque chose de Niflaot. On a fait on a des vidéos et tout, on a fait au Berdier. Et dans chaque tank, on avait deux barcours, les Shiva de Bruno qui sont venus avec nous. Et on a été chacun à un endroit. Et ils faisaient Mifsaïm, donc ils sont arrêtés dans les endroits, ils ont fait Mifsaïm. Et on avait aussi fait la revue que tu as fait, Gabriel. Donc on a distribué le roi Machir, dedans il y avait deux pages pour les 7 lois de Noé. Donc on a distribué ça aux non-juifs dans la rue, à Bastille, à la Nation, à, comment ça s'appelle, à la Concorde et aux Champs-Élysées. Wow. Donc on a fait un défilé, Cabrille. Et chaque endroit où on est passé, on a dit voilà, on va reprendre la Bastille, ça appartient au Rabbi, on a fait le tour, on a filmé, bon Rachel, c'était spécialement les goïmes. On leur parlait, ils nous écoutaient, ils ont pris la revue. Ça a été spécial. Et après, le soir, on a été à Sarcelles. Et là, il y avait un tank qui nous attendait avec musique, un piano, des musiciens, des bahourim. On a fait tout le tour de Sarcelles avec la musique. On a dansé dans la rue pendant presque une heure et quart. Après, il a fallu ranger les tanks parce qu'on n'avait pas fini. On avait le cadeau d'Hachem. On a eu le mérite. Enfin, merci Hachem, vraiment. On a fait Fabringen dans la maison du Rabbi à Paris, au 10 rue Dieu, à Paris. Wow, 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 wow. La famille Cohen nous a permis d'aller là-bas. J'avais été la voir avant, je l'avais appelée. Et elle m'a dit, ça tombe bien parce que mon mari voulait que je fasse la fête. Et moi, j'étais pas très chaude, elle m'a dit, parce que c'était veille de Pessah. Elle m'a dit, le Khamet, c'est tout, comment je vais faire. Et comme vous me le demandez, alors j'ai dit là, je peux pas. C'est l'anniversaire du Rabbi, c'est que le Rabbi il veut c'est, comme ça. C'est des juifs qui habitent là-bas. C'est des juifs, c'est une famille de Cohen. Wow. De Cohen. Ça fait deux fois qu'ils nous ont reçus à Tichré, après Tichré on a fait un Fabringen. Mais là, Yodef Nissan, c'était spécial, il y avait tous les Bahourim avec nous. On a invité ceux qui ont participé à la Péoula, d'abord parce que c'est pas très grand chez elles. Et on avait décidé que ceux qui s'investissent, ils vont venir dans la maison du Rabbi. Et là-bas, on a fait les Nigounim du Rabbi, on avait amené un CD pendant une heure et demie. Au début, on a chanté doucement, parce qu'on était dans une maison, tu vois, et c'est pas la maison du rabbi. La maison, la rabbinite Hanal habitait. Et à un moment donné, la femme, la maman de la balabaïte, elle tapait des mains quand on chantait comme ça, et à un moment, elle nous a dit, mais plus fort, le rabbi veut que tu sois plus fort. C'est quoi, on s'est déchaîné. Les fenêtres ouvertes pendant une heure et demie, tu sais ce que c'est. Il y avait la vidéo, et c'est des séquences, je sais pas si tu as cette vidéo, c'est toutes les nigounites du Rabbi, mais qui ont été filmées à plusieurs époques, à d'autres moments qui te marquent les dates en dessous. Et nous, on était là avec le Rabbi dans la maison où la Rabbi Nechana est là. Okay. C'était un moment inoubliable. Les femmes, ils voulaient partir de bonheur. Je leur dis, ne loupez pas, ne bougez pas d'ici. Mais après, ils pleuraient dans la maison, ils pleuraient dans la maison. De joie.